GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir Sacha. Bonsoir Odip. Alors après 3 matchs nuls en Ligue 1, cette fois-ci on écrase notre adversaire 6-2. Est-ce que tu as apprécié cette soirée? Fortement, fortement apprécié. Beau score de tennis, ça fait plaisir. Et enfin une victoire, c'est vrai que ça ronronnait un peu avec ces 3 nuls de suite. Mais voilà, hein, tarif motion, minimum 5 buts. Donc très content de la soirée et de la performance. Alors qu'est-ce qui t'a plu dans ce match concrètement? Concrètement, ce qui m'a plu, c'est beaucoup l'activité offensive. Malgré le moment où ils reviennent à 2-2, voilà, on laisse un peu du terrain. Voilà, ça doit pas être c'est pas un match amical, les gars. Soyez d'attaque pendant 90 minutes. Mais bon, après, on a su bien se reprendre. Donc voilà, Kylian Masterclass, comme à son habitude. 2 passes de Randal Kolo Muani, il faut le souligner. Voilà, soutenons Randal Kolo Muani. Certes, on en attend plus toujours, mais soutenons-le. Voilà, il va progresser. Et puis, Kang In Lee, j'ai beaucoup aimé également. Donc bon match dans l'ensemble. Alors, je vais t'évoquer un joueur que tu n'as pas encore cité, mais qui a quand même apporté son apport offensif, c'est tout de même Vitinha. 1 but et 2 passes décisives. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il prend un peu plus d'ampleur dans ce milieu. Est-ce que tu ressens la même chose? Il progresse fortement, ça fait plaisir à voir. Il progresse de plus en plus. Là, ça fait un petit moment qu'il est chez nous déjà. Donc, je pense que là, voilà, il est bien rodé. Et quand on le met à la position là où il se sent le plus à l'aise, c'est là où vraiment il tire le meilleur de lui-même. Et c'est bien aussi de voir nos milieux prendre plus d'initiatives, plus tir au but, etc., trop dans les petits espaces. Donc, il progresse beaucoup. Donc, c'est bon pour la suite. Et voilà. Est-ce que après un tel match, est-ce que tu retiens le meilleur ou cette frayeur tout de même un peu négative de ce 2-2 à la mi-temps? Bon, les deux, la performance malgré tout, voilà, les 6 buts qu'on marque, mais c'est vrai, cette petite frayeur, voilà, c'est faudra se reconcentrer. Voilà, Danilo malheureusement a beaucoup galéré ce soir, donc j'espère qu'il se reprendra et que surtout le deuxième but, voilà, défense et aux abois, il faut plus être compact et plus être attentif sur les situations. Mais bon, on espère que ça, qu'il progresse. Bah, je te remercie encore. Merci. Voilà, on espère après la trêve internationale avoir l'effectif le plus complet possible. Voilà, pour l'opération dératisation, voilà, important. Donc voilà, allez Paris.